Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. Donc j'ai des partenariats et trois achats à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite par les achats. Donc j'en ai fait trois, deux de France Loisirs, étant donné que c'était le moment de l'achat obligatoire de France Loisirs. Et un que j'avais pas forcément prévu d'acheter mais qui finalement m'a tenté. Donc d'abord, chez France Loisirs, je me suis pris Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Donc c'est pas mon genre habituel de lecture, mais l'histoire a l'air vraiment pas mal. Donc je me suis laissée tenter. Et la même chose pour le suivant, qui pareil n'est pas mon genre de lecture habituelle, mais il paraît que c'est vraiment bien comme histoire, donc je me laisse tenter. Il s'agit de l'intégrale, donc de Avant toi et après toi Jojo Moyes. Donc ils ont réuni dans un seul volume les deux tomes de la série. Donc du coup ça fait une jolie petite brique en papier très fin. À voir du coup ce que ça donne. En tout cas les avis sont très bons. Donc je tenterai ça très bientôt. Et donc je me suis également acheté Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland chez Pocket Jeunesse. Je connais pas plus que ça, mais j'ai beaucoup aimé la couverture et le résumé. Donc la couverture est toute simple, il y a le titre et des petits poissons bleus. Et je sais pas, elle m'a plu, le résumé aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, il est pas très très long, donc ce sera vite lu, à mon avis. Hop. Ensuite, on passe. Hop. La pile est un peu plus grande. Au partenariat reçu. Donc d'abord, chez le livre de poche, j'ai reçu deux suites et une fin de série. Donc d'abord, le tome de Red Queen, Glass Sword de Victoria Aveyard. Donc, dans le même esprit que le premier tome que j'avais eu, parce qu'il me semble qu'ils font deux versions des couvertures, en fait, en livre de poche jeunesse et en livre de poche normal, en fait. Et j'avais eu, pour le tome 1, la version pareille avec le visage féminin, mais plus couleur rouge, si je dis pas de bêtises. Donc, bah, je suis contente d'avoir reçu cette version parce que sinon ça aurait été un peu dépareillé. Et j'ai hâte de lire la suite des aventures de Mar. Donc, j'espère que je pourrai le caser très bientôt. Ensuite, donc, une fin de série, comme je disais. Donc, cette fois, il s'agit du dernier tome du pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Donc, le tome 4, Artifice et Arbalète de Gail Carriger. Donc, un petit volume. J'ai encore le 3 à lire, donc je pense que j'enchaînerai les deux. Comme ça, la série sera terminée. J'aime bien l'esprit de la série, donc je pense que la suite me plaira tout autant. Et bah, j'espère pouvoir me le caser très bientôt. Encore une suite de série, mais cette fois chez Nathan. Donc il s'agit du tome 3 de Wonder Park, Cyclos de Fabrice Collin. C'est un petit livre jeunesse, donc celui-là, pareil, je pense que je vais le lire ce week-end parce qu'il va être vite terminé. Comme c'est un roman jeunesse, il y a le texte et quelques illustrations. Donc ça se lit très vite. Il faudra juste que je me remette un peu dans l'histoire, étant donné que j'ai lu les deux premiers tomes il y a un petit moment. Ensuite, une sortie de chez Lumen que j'avais hâte de lire, étant donné que c'est un style un peu différent. D'habitude, c'est des romans plutôt fantastiques qui sortent. Et là, c'est plutôt du contemporain. Donc il s'agit de Tuto numéro 1, Embrassé comme une déesse, de Brianna R. Schrum. Donc une très jolie couverture, très colorée. Et l'histoire a l'air vraiment, vraiment sympa, avec un peu d'humour, je pense. Donc à voir ce que ça donne, j'espère pouvoir le lire très bientôt. Et pour terminer, un roman envoyé par Céline de True Blood Addict. Donc il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas chez La Martinière. J'espère que cette série ne sera pas interrompue dans sa publication en français comme la série Kéléana, parce que sinon je crois que ça va beaucoup m'énerver et que j'arrêterai de lire les romans de chez La Martinière. En tout cas, cette série a l'air pas mal aussi. J'aime bien en fait les romans de l'auteur, ont l'air vraiment tous intéressants. Je sais pas quand est-ce que je lirai celui-ci, par contre c'est une jolie petite brique, donc il va falloir que je trouve du temps. Mais j'essaierai de le lire sans trop tarder. Voilà,
C'est tout pour ce bilan acquisition. Désolée, j'étais un peu vite. Je suis un peu prise par le temps. Là, faut que je m'en aille. Donc, je l'ai tourné rapidement avant de partir. Donc, du coup, c'est un peu expéditif. Mais bon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en dessous de la vidéo. Il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions. En tout cas, bah, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.